viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé. Psaume 118, strophe 19. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et
j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux de bon se l'éveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils s'approchent, mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps, j'ai su de ton témoignage. Car jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 52. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux, point de place pour Dieu devant eux. Des forces nées vous chassent mon âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.
que le temps de le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance, et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme le fidèle serviteur devant toi. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides. Écoute mon appel, bénis et pardonne. Quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple. Toi, écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. La vie de celui qui obéit se vérifie par le fait que rien ne peut intervenir entre le Christ et lui, ni la loi, ni la piété personnelle, ni non plus le monde. Celui qui vit dans l'obéissance ne regarde jamais qu'au Christ. Il ne voit pas le Christ et la loi, le Christ et la piété, le Christ et le monde. Il n'entre nullement dans ce genre de réflexion, mais en toute chose, il ne fait que suivre le Christ. Aussi son œil est-il simple. Il repose entièrement sur la lumière qui lui vient du Christ. Il n'a en lui ni ténèbres, ni équivoque. De même qu'il faut que l'œil soit simple, clair et pur pour que le corps demeure dans la lumière, de même que le pied et la main ne reçoivent la lumière que de l'œil,
de même que le pied chancelle et que la main manque son but lorsque l'œil est troublé, de même que le corps tout entier est plongé dans les ténèbres lorsque l'œil s'éteint, ainsi en est-il de celui qui obéit, qui ne se trouve dans la lumière qu'aussi longtemps qu'il regarde simplement au Christ et non en plus à ceci ou à cela. Il faut que le cœur du disciple ne soit dirigé que vers le Christ seul. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire des pères. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
chaque édifice a son architecte, son plan, ses ouvriers et ses ingénieurs qui veillent à sa construction. Mais la construction externe n'est pas faite pour elle-même. Ce qui est en jeu, c'est sa destination, sa mission, le service qu'elle doit rendre. Parmi tant de constructions, il y en a une qui a toujours tenu une place exceptionnelle dans la vie des hommes. Un temple. Lieu de rencontre de la divinité avec l'humanité. L'espace où l'homme se sentait attiré par un autre, plus grand que lui-même. Un temple exprimait toujours un désir de l'homme, un désir de l'infini, de transgression de son être terrestre et de son imperfection. La grandeur et la beauté d'un temple exprimaient les sentiments de reconnaissance et de crainte d'un homme fini envers un Dieu grand et infini. Le cœur d'un temple constituait le Saint des Saints, Sanctum Sanctorum, lieu de la présence divine par excellence, frontière infranchissable pour l'homme mortel. Et c'est cela qui faisait d'une construction des pierres un temple saint. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, utilise l'image d'un temple pour exprimer l'originalité de la vie chrétienne. Depuis le baptême, l'homme tout entier, avec son corps, son âme, son intelligence et son esprit, forme un temple saint. Il est devenu un lieu privilégié où demeurent le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il n'y a plus de domaine de sa vie qui n'aurait pas été embrassé par la présence aimante de Dieu. Ainsi, chaque geste, chaque parole et pensée, ainsi que chaque mouvement du cœur et de la volonté sont d'une grande importance. Désormais, au fond de son être, l'homme découvre une ouverture à la vérité et à la beauté. Il découvre sa conscience, ce centre le plus intime et le plus secret de lui-même, le sanctuaire, selon l'expression du Concile Vatican II. Il est seul où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Au fond de ce temple, l'homme découvre le sens du bien et du mal, le désir de la vraie liberté, l'aspiration à l'infini et au bonheur. L'homme, temple, cache en lui ce germe d'éternité, irréductible à la seule matière. Chacun de nous et tous ensemble, nous formons un temple saint et nous pouvons devenir un chef-d'œuvre de l'architecture spirituelle. Si nous nous laissons former, construire, transformer et transfigurer par l'Esprit Saint, le seul vrai architecte de l'homme nouveau. Si l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Thank you.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour l'Église et ceux qui la conduisent. Guide-les à travers les difficultés de notre temps. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont une tâche éducative. Fais qu'ils sachent transmettre des connaissances, mais aussi la valeur du service et du don de soi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour nos fraternités, que nous puissions grandir dans la charité et être un signe du royaume. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au bien du ciel que tu as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle considère
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.